On va y aller, je déteste la technique. <laughs> C'est toujours terrible. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Euh, là tout, tout était à peu près à peu près opérationnel. <laughs> Le seul problème, mystérieusement, Zoom envoyait uniquement les noms des participants. Donc, je suis désolé. Ça, c'est le, le seul paramétrage que je ne peux pas changer, euh, bizarrement. Donc, c'est comme ça. Je suis désolé. Euh, je vais regarder. Je vais demander à mes amis. <laughs> je vais regarder encore et encore. Et je pense que je vais trouver la, la solution. Donc, la meilleure solution là. Mais bien sûr, tout, <laughs> tout mon cours était préparé euh, avec cette idée de zoom et de youtube <laughs> mais euh, si ice cubes le lien fonctionnait ça fonctionnait il y avait des personnes mais malheureusement malheureusement zoom communiquait bizarrement avec euh, youtube c'est pas grave olga bonjour kategic bonjour ice cubes est là aussi luciana moribet avec nous RLF, vous avez des classes pour parler français oui, nous parlons français, Relf, Victoria Jacques, <laughs> qui est très, 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 qui supporte, qui est là pour aider psychologiquement, merci, bonjour, Bourbeville Lover est là aussi, Yossi, bonjour, désolé, Yossi, pour euh, le, oh, c'est trop fatigant, Stardust est là aussi, Chouban, euh, nous salue, bonjour, euh, qui est-ce qu'il y a d'autre, euh, Bickert Zoom Zoom fonctionnait, mais le résultat pour euh, YouTube n'était pas intéressant. Donc, ça aurait été très, très frustrant pour les personnes sur YouTube et, et, et ça aurait pas été très, très agréable. Euh, je, mais je vais demander, j'ai demandé à Gérard, je vais demander à Eustache, peut-être Eustache, <laughs> les plus jeunes, vous savez. Sylvia, bonjour, Kirill, euh, bonsoir. Donc, euh, on va être obligé de s'adapter, bien sûr, puisque euh, ça va être un peu spécial. On va faire un cours normal. Euh, je ne sais pas avec quel matériel, mais on va voir. On y va, la question du jour. Et la question du jour, bah, finalement, le fait de changer d'année est-il important pour vous et pourquoi Allez, une petite minute pour me répondre. Alors, Mercury Allemagne qui nous dit je suis allé à la mauvaise émission directe. <laughs> ah, il y a eu, il y a eu une histoire terrible, Mercury Allemagne, Mais vous êtes là, c'est le principal, Cheryline nous rejoint aussi. Bonjour, bonjour. Alors, Albouga nous rejoint aussi. Bonjour à vous, Yann Arte. Et là aussi, euh, répondez à la question, s'il vous plaît. Est-ce que le fait de changer d'année est important pour vous ou non Et pourquoi, finalement Expliquez-moi si c'est important ou pas. <laughs> Julia There are so many live streams, I am lost. Well, that's the concept. <laughs> I'm trying to hide behind the live streams. <laughs> désolé, Cosmina, excusez-moi. Uh, Julia. désolé pour le... le uh, oui, c'est celui-là, Julia. On est là, on est là, on est là. Um, voilà. Zoom communique bizarrement avec YouTube. Je ne sais pas pourquoi Zoom ne veut pas envoyer ce que je voudrais qu'il envoie. Donc c'est problématique. Et ça voudrait dire que le résultat serait un petit peu catastrophique et pas très, pas très agréable. Boomville Lover, pas vraiment. Ah, Boomville Lover répond. <laughs> À la question. Pas vraiment, mais normalement, nous aimons regarder les feux d'artifice comme une famille. Donc cette année, ça va être très différent, je pense. Kurt qui dit « Je voudrais changer deux planètes pour échapper au corona. <laughs> » Je crois que tout le monde. Yossi euh... Alors bien sûr, c'est très important, nous dit Yossi. Euh, le nouvel an apporte des nouvelles espérances. Très bien, Albouga. <laughs> J'étais perdu un peu aussi, ah ben c'est ça l'idée, l'idée c'est de vous perdre, Stardust, pour moi il n'est pas particulièrement important que l'année change, je suis reconnaissant que cette année soit un réveillon du nouvel an tranquille, très bien, Allo qui dit bonjour Vincent, bonjour Allo Caïssa, j'espère que vous allez bien, Victoria Possé qui dit le changement d'année est important pour moi, car je propose de nouveaux défis et de nouvelles choses à faire. Très bien, vous êtes motivé hein, Victoria Possé c'est bien. Moi ça fait longtemps que j'ai arrêté les nouveaux défis. <laughs> enfin j'ai un projet pour cette année. j'ai un nouveau nouveau projet pour cette année. Olga, oui parce que nous, alors là, je n'ai pas compris, Olga. Je n'ai pas compris. Mercurialman, non, c'est juste un autre jour au paradis. Oh, Mercurialman, il habite au paradis. Il a de la chance. Victoria Jacques qui dit le fait de changer d'année est important car il ressemble à une remise à zéro. Chaque jour est une réinitialisation, mais la nouvelle année est très spéciale. C'est vrai. C'est vrai peut-être. Euh, Yesero, bonjour Yesero, vous nous rejoignez. Vous avez réussi à trouver le chemin de notre live. Iris, bonsoir. Béatrice, Stan, bonsoir. Désolé, Béatrice. Béatrice était la première, je crois, à arriver. Et il y avait juste son nom tout le temps. Je ne sais pas pourquoi. Alors, Cosmina qui dit c'était vous qui m'avez dit bonjour sur Zoom. Vous m'avez entendu. Ah, no, ah, Yossi, probablement. Oui, Yossi, probablement. Parce que moi, je. je je n'ai pas parlé, j'étais trop stressé pour régler les problèmes. Julia, mais j'ai eu de la chance d'écouter votre élan, monsieur. L'élan Quel élan je n'ai pas parlé. Est-ce qu'il y a un élan, peut-être Yossi, oui, euh, qui dit à Cosmina Bellou. Alors, Olga, nous pouvons compter sur ce que nous faire avec le temps, d'accord Luciana, oui, le fait de changer d'année est important, parce que c'était difficile, 2020, c'est vrai, et 2021 serait mieux, on espère on espère. Euh, Yessero qui nous dit c'est important pour moi parce que c'est un nouveau. Départ. Euh, très bien. Chérie c'est une construction arbitraire, mais c'est un peu important. Cela me motive à faire des résolutions pour le nouvel an. Ah, donc vous faites des résolutions aussi. Très bien. Euh, Yasmine, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Yulia, euh, chanson de Noël 1, 2, 3. Ah oui, ah, l'élan chante effectivement. C'est un bel élan qui chante. Uh, Beaker, je participais à Zoom, mais. <laughs> ah oui, eh oui mais c'était bref. Zoom, <laughs> Zoom c'était bref. Je crois qu'il faudra choisir, comme avant, soit Zoom, soit YouTube. Et, et, et ce sera plus, plus simple. Mais les deux, c'est assez complexe. Euh... Ensuite, allo Kaïssa, je vis dans le nord de la France et je descends dans le sud plus chaud. Tout est retardé à cause de la Covid, mais j'espère que cela sera mieux l'année prochaine. Très bien. Ben j'espère aussi pour vous, euh, Kaïssa, Je ne sais pas dans quelle partie du sud. Si ce n'est pas indiscret, personnellement j'aime bien le sud-ouest euh, plus que le sud-est. C'est ma préférence personnelle euh, Cosmina, je crois que j'ai pu vous voir en personne pour deux secondes aussi <laughs> <laughs> Très bien. Ah, c'est l'avantage de Zoom. On s'est vu, mais ça n'a ça, ça pas été long, je pense. Alors, Nazanine, bonjour. Sundar, bonjour à vous. Alors, bah, écoutez, on va voir ce qu'on peut faire. Ça va être un petit peu euh, intéressant. N'oubliez pas, même si je ne sais pas si ça vaut la peine, euh, de liker ces choses-là. Alors, regardez. Oui, on va être obligé de passer. Alors ça, c'est normalement ce que nous devions faire pour le cours zoom. Donc je vous aurais invité à faire un petit peu, et eh bien comme vous voyez, de la phonétique. Malheureusement, eh bien, on ne pourra pas le faire aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Nous pourrons probablement le faire une autre fois. J'avais beaucoup de mots très intéressants et difficiles à prononcer. Voilà les nasales. Nous allons passer, excusez-moi, parce que là on est obligé. Voilà. Allez, question-réponse. <laughs> s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous avez maintenant, puisque nous nous connaissons un peu, vous avez la possibilité, si vous voulez, de vous poser une question. Pas plus, juste une question. Alors, si vous voulez poser une question à eh bien, un membre de notre communauté, si vous voulez me poser une question, si vous voulez poser une question à une autre ou à plusieurs personnes, pas de problème, vous avez une minute pour poser votre question. Alors Yesero, je ne sais pas si c'est votre question, mais le lien Zoom, pour l'instant, il n'existe pas. Il n'y a plus personne sur Zoom. Nous sommes uniquement, uniquement sur YouTube, parce que la connexion Zoom-YouTube était frustrante. Yulia, it was it was streamed through through, uh, through Zoom, so I went, I was going inside Zoom and Zoom was supposed to uh, to stream to uh, to YouTube, which it did, but strangely the the, the picture were not uh, the one that I wanted to uh, to show. Voilà, Yulia. Alors Stardust qui dit je n'ai pas de questions, je suis content de pouvoir apprendre la langue avec un si gentil professeur. <laughs> Pas, pas toujours très compétent <laughs> techniquement, mais je, je suis meilleur en grammaire que qu'en qu technique, hein, et peut-être que ça c'est la même meilleure chose. Euh, désiré, Vincent, vous habitez dans quelle ville en France Désiré, je, je n'habite pas en fait actuellement, je je n'habite pas dans une seule euh, euh, dans un seul endroit et je n'habite pas dans un seul pays donc je suis un peu euh, nomade je suis un petit peu un, un nomade digital comme on dit iris qu'est-ce que vous feriez si vous aviez beaucoup d'argent ah, ben, ça, c'est une question pour tout le monde. La question que Iris nous pose, qui est une question intéressante, qu'on va, devrait peut-être garder, hein. Yesero, comment fêter Noël? Ah, vous ne, vous ne vous posez pas des questions mutuellement. Alors, Kai Sakel, euh, fête nationale, préférez-vous au cours de l'année? Yossi, quel temps fait-il aujourd'hui? Euh, Mercure euh, qu'est-ce qu'il y a le plus agréable de vivre sur la côte ouest ou le sur le, surdou... ah, le sud-ouest ou le sud-est? Personnellement, je préfère l'Ouest. Le Sud-Ouest, je trouve que c'est un petit peu plus... C'est plus authentique. Voilà. Je pense que c'est probablement plus authentique que le Sud-Est. Le Sud-Est a été très, très populaire et, et, et très peuplé. Très, très peuplé. Beaker, je ne trouve pas une question maintenant. Je suis bloqué maintenant. <laughs> Olga Ruiz, allez en France et... Euh pour avoir l'opportunité de se, de se rencontrer. Ben oui, ça pourrait être sympathique. Sundar, quel est ton meilleur pays pour voyager Ça dépend, avec le Covid ou sans le Covid. On va voir. Victoria Jacques, pouvons-nous avoir une grande réunion quand le Covid. Bon, on va revoir. Je vais planifier. Planifier, Victoria Jacques. Planifier, je participerai avec grand plaisir. <laughs> bon Lover, quel est ton film préféré ah, Vous vous posez des questions sympathiques. Alors, continuez avec les questions, et puis après, on va, on va en sélectionner, et on va euh, essayer de répondre à ces questions. Alors, peut-être qu'on pourrait ben, finalement prendre, prendre euh, une première question que vous aviez proposée, et c'est regardez regardez euh, voilà iris avait, <laughs> iris avait posé la question <laughs> euh, ou alors non peut-être yesero excusez moi iris parce que yesero c'est plutôt euh, c'est plutôt actuel euh, je crois que j'avais posé la question, mais on peut répéter. Comment fêtez-vous Noël nous demande euh, Yesero. Est-ce que vous vous allez Une petite phrase, juste pour nous dire comment vous allez fêter euh, Noël Alors, Victoria qui dit pourquoi je n'écris pas les messages en français dans la communauté. Ça dépend parce que... Euh mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui, qui m'avaient demandé, euh, et, et, et à l'origine c'était un petit peu ça, Victoria, c'est juste pour pouvoir communiquer avec les gens qui ne parlent pas euh, français euh, au début, et donc qui sont débutants, euh, c'est pour ça que j'essaye je, je, euh, en général d'écrire en anglais ou en français si c'est pour, euh, pour, les, pour les gens qui sont avancés. Alors, on continue. <laughs> ah, c'est des questions intéressantes. C'est des questions pour tout le monde, j'ai l'impression, ou c'est juste pour moi euh, Alokaïsa, qui est ton musicien préféré oh, Une chanson, Alokaïsa, que j'écoute, mais en boucle en ce moment. Une chanson que j'écoute en boucle. C'est une chanson que euh, j'ai écoutée quand j'étais jeune, dans les années 80, d'un groupe que j'aimais beaucoup qui s'appelle Indochine. Et Indochine vient de faire un nouveau titre avec une chanteuse que j'adore qui s'appelle Christine, qui est de Christine and the Queens. Et ils ont fait une reprise d'une chanson formidable qui s'appelle Troisième Sexe, une chanson des années 80. Et j'ai cette chanson en permanence. Alors désiré qui demande à Cosmina où habitez-vous Cosmina. On attaque les questions, les questions directes. Hein. Sundar qui dit comment va ton fils Nicolas. <laughs> Nicolas il est juste à côté et la vie est belle <laughs> parce que Sundar c'est les vacances et c'est les vacances euh, euh, et, et, et il est tranquille, il est tranquille. Euh... Alors attendez, je ne vois pas. Yulia. ne streamez pas avec Zoom, c'était mon point. Bah oui. <laughs> ah ouais, mais j'ai. Eh, j'ai pas. C'est bon. Ça va être trop compliqué après. Bickert, j'ai trouvé une question. Nous pouvons. Alors attendez, Bickert, qu'est-ce que vous dites Vous euh, composez un groupe WhatsApp. Alors. Une chose importante, pour les groupes, etc., moi je suis d'accord, mais euh, je, je c'est difficile d'être très très actif dans les groupes euh, WhatsApp ou, euh, ou, ou même sur YouTube, ou pas, pas sur YouTube, mais sur, euh, sur Facebook. Donc euh, si vous voulez créer un groupe, créez le groupe, je peux être membre, mais je, mais je ne peux pas activement, activement participer, c est, c est, ce serait difficile. Euh, sérieusement donc donc mais mais si vous voulez communiquer échanger c'est pas un problème et techniquement peut-être que c'est plus simple whatsapp pour euh, euh, intégrer dans le, le, le stream de youtube ce serait possible euh, très bien donc béatrice voudrait voudrait participer au groupe whatsapp mais ben, créez-le si vous voulez si vous avez les, les ressources et, et et, et, et voilà et la motivation allez-y ce serait bien et vous, vous vous connaissez tous déjà donc ça c'est ça c'est pas mal Dark Tainer qui dit bonjour Béatrice Stan. <laughs> très bien alors ensuite je regarde Olga qui nous dit une euh, avec la famille et préparer celle... ah d'accord donc Olga pour Noël, bien sûr. Hein. Olga, pour Noël, va être avec la famille et va préparer des spécialités. Euh, elle va parler et elle va danser avec un S en français. Très bien. Euh, Yesero qui nous dit, je fête Noël avec ma famille et nous ouvrons les cadeaux. Très bien. Euh, Sundar, à quelle heure <laughs> Alors Sundar pose la question Sundar it was supposed to start at the same time so it was supposed to be synchronized and uh, but technically it was a bit challenging because the connection as i explained from zoom to youtube was a bit uh, disappointing so it was not really possible and i just decided to only switch to to uh, the youtube stream to make sure that everyone could in fact uh, benefit from the stream instead of having some frustrations. So, this is the reason why we didn't do the Zoom that was supposed to be exactly at the same time. So, maybe we should have two lessons like I did before during the first lockdown. So, first, I mean, the Zoom thing and only Zoom, and then de uh, YouTube, that would be diff different. Euh, chérie Lynn, quel film français recommanderiez-vous à des apprenants comme nous Préférablement des films que nous pouvons comprendre sans sous-titres. Oui. Euh, <coughs> en général, chérie je... alors j'évite de recommander des films dès le départ euh, à mes étudiants, parce que les films, ça peut être un petit peu frustrant. Après, ça dépend. Euh, ce qui peut être intéressant, si vous voulez vraiment des films, peut-être pas des fictions, mais peut-être des documentaires. Je pense que les documentaires sont en général assez, euh, assez intéressants. Si ce sont des sujets que vous connaissez déjà, probablement vous connaissez déjà le vocabulaire. Et donc, euh, c'est peut-être une bonne chose. Ça vous donne la possibilité d'explorer le sujet, mais en comprenant finalement les choses fondamentales euh, d'autres choses qui peuvent être très très utiles euh, les, les, tout ce qui est TV shop TV shopping ou les, les chaînes un petit peu comme ça alors c'est pas très très intéressant mais l'avantage c'est qu'on euh, répète souvent les mêmes choses et on utilise beaucoup d'adjectifs, on utilise beaucoup d'adverbes, on essaye d'être assez clair. Donc ça, ce serait une deuxième possibilité. Une troisième possibilité qui est assez intéressante aussi, mais vraiment pour travailler sur l'écoute, c'est les discours politiques. Les discours politiques, les discours du président de la République, euh, en général, sont assez bien écrits. Euh, le style est bon. Euh, mais en même temps, le style n'est pas trop complexe pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, les, les, les discours politiques souvent sont assez, assez intéressants. Et vous pouvez trouver la transcription euh, sur le site de, 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 de l'Élysée, par exemple. Et la dernière chose, euh, tout ce qui peut être soap euh, opera euh, américain doublé en français. <laughs> Ça, c'est idéal. Ça, ça c'est formidable. Alors, toutes ces choses-là ne sont peut-être pas toujours très intéressantes à regarder, mais pour, euh, pour la langue, c'est vraiment très, très efficace. Voilà, c'est ma, ma réponse. Mais après, les films, aller dans les fictions, les comédies, c'est très, très difficile. C'est très, très difficile. Dans le drame. Souvent, les drames, le rythme est moins, moins rapide. Les, 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 les personnes parlent moins rapidement. Et, et, et donc, vous pouvez plus facilement comprendre, j'imagine. Euh, Allo Kaïsa, Indochine, trois... ouais, ouais, ouais. troisième sexe. Oui, oui, oui. Troisième sexe, oui, Alors, marrant comme titre. Non, enfin, oui, bah, ça parle, de... Ça parle de, 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 de de la fluidité entre les genres. C'était le... le concept. <laughs> euh, Désiré, Indochine, j'adore aussi. Jean-Jacques Goldman, et eh oui, Désiré. Stéphanie de Monaco, <laughs> un petit peu moins, comme un ouragan! <laughs> Jeanne Masse en rouge et noir, Véronique Rivière, etc. Victoria Jacques, peut-être que je peux créer un groupe sur Facebook et le configurer. Oui, Victoria Jacques. Euh, vraiment, oui, groupe Facebook ou, ou WhatsApp, comme vous voulez, mais. Gérer, c'est-à-dire que moi je, je je peux être là et participer, mais euh, mais allez-y, allez-y avec avec plaisir. Hein. Uh, Béatrice Tan, Dark je vais bien. D'accord, je mange des bonbons. <laughs> Sundar, alors Sundar, I wonder where somewhere you're doing all this for free anyway. I'm so grateful by having teacher like you. Uh, <coughs> Well, it's true that even if the the, the, the channel is uh, is monetized, I mean clearly, <laughs> you know, I am not getting as much money as I would if I was having a, a channel to 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 I mean with I mean game playing or stuff like that. So basically, it's not grave. Cosmina, euh, j'habite en Roumanie. Ah, d'accord. Avez... Donc, je me promène entre Bucarest, la, la capitale, et ma ville natale, où sont mes parents au sud-ouest. Très bien, très bien. Euh, Des nous rejoint. Yossi qui dit Nous ne fêtons pas Noël, mais nous fêtons la nouvelle année. Eh oui, et ça, c'est pas mal. Alors, ensuite, je regarde, je regarde Yesero. Euh, qui demande à Yossi dans quel pays vous habitez. Et euh, euh, pardon, Yossi. Dark qui dit Béatrice moi aussi j'apprends le français sans les bonbons. <laughs> Alors ensuite, Olga, j'ai pensé qu'il habite dans une maison. Euh, très bien. Qui habite dans une maison <laughs> Je ne sais pas. Euh, Yossi Sundar. Ah, d'accord. Peut-être sur WhatsApp. Si vous préférez WhatsApp, allez sur WhatsApp. Si vous préférez Facebook, je ne sais pas. Facebook n'est pas très populaire maintenant. Hein. Une petite, euh, une petite, un petit problème de communication, peut-être. Euh, Yossi, euh, si tu as vu le film Bénure. <laughs> Yossi, j'ai commencé ce matin encore. <laughs> Tranquillement, je regardais les chaînes, euh, c'était les chaînes françaises, et hop, je vois Bénur, J'ai commencé Bénur, grand classique, hein grand classique, mais c'est très long, alors euh, j'ai fait autre chose après. Lisbeth, bonjour Lisbeth. Sundar, beaucoup de personnes n'utilisent pas Facebook. D'accord, ah ben, ça c'est le problème avec les plateformes, c'est difficile de choisir la, la plateforme qui qui peut faire plaisir à tout le monde. Je regarde les autres. Alors, attendez. Voilà. Euh, oui. Désiré. Cosmina Bellu, je suis né en Roumanie, du temps de Ceausescu, mais maintenant, j'habite en Inde. Je suis originaire d'un pays d'Afrique. Très bien. Ça, c'est intéressant. Euh, je regarde... Alors, Olga qui nous dit qu'elle utilise Facebook, Cosmina Bellou qui nous dit, qui dit à Bicot, oui je travaille, après l'université, j'ai travaillé dans la recherche. Ah, c'est pour ça <laughs> Vous m'aviez posé une question sur l'université, dans le domaine de la génétique cellulaire, et après j'ai changé de domaine. Crismo, Jean de Florette, Manon des Sources, Un cœur en hiver, oui. Alors, Crismo propose trois films, Jean de Florette, Manon des Sources, des classiques maintenant. Attention, accent du sud de la France, c'est-à-dire qu'il y a un petit accent quand même. Et un cœur en hiver, oui, un grand, un grand classique aussi hein, des années 90. Euh, histoire plutôt bon, une histoire d'amour un petit peu euh, à la française. C'est pas mal un cœur en hiver, c'est vrai. Je, je, moi aussi, j'aime bien. Julia, félicitations tout le monde. Depuis aujourd'hui, les nuits seraient plus courtes et les jours plus longs. L'hiver est presque fini. <laughs> ça dépend où on est géographiquement. Et là, actuellement, où je suis, <laughs> c'est un petit peu difficile de voir la différence. Mais bon. Béatristane, j'ai créé un groupe sur WhatsApp. Alors, Béat Béatristane, comment ça fonctionne si... Nous voulons, si je veux participer au groupe, expliquez-nous, Béatrice, comment ça fonctionne. Est-ce que je dois avoir un numéro Dites-nous, Béatrice, comment rejoindre le groupe sur WhatsApp et comment il s'appelle. D'accord Yesero, euh, très bien. Qui dit salut à Lisbeth. Yasmine, quelle est votre saveur préférée de bûche de Noël <laughs> Alors la bûche de Noël, ça c'est une bonne question pour tout le monde. Hein je ne suis pas un grand spécialiste de la bûche de Noël. Euh, quand j'étais petit, on en mangeait tout le temps. Et, et, et quand j'ai eu la possibilité de choisir, je, je me suis dit peut-être pas, mais euh, plutôt une bûche glacée. Une bûche glacée, et, et, et là, toutes les saveurs fonctionnent. Hein. Victoria Posset, quel est le nom de la chanson qui sonne à la fin du cours Merci. <laughs> euh, faudrait demander euh, yasmine va, va va bientôt arriver euh, pour l'instant elle est toujours elle est toujours à montpellier dans le sud de la france donc euh, je lui demanderai le nom mais c'est une chanson qui 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 n'existe pas enfin qui, qui, qui existe mais qui existe juste pour vous <laughs> puisqu'elle elle, elle n'a pas été euh, elle n'a pas été produite euh, par une maison de disques. Olga, j'habite au printemps là. D'accord, <laughs> Olga, elle a de la chance. Alors, Yossi qui demande à Yasmine si tout va bien, Yasmine, est-ce que vous allez bien. Sundar qui dit stan, d'accord. Yulia WhatsApp, c'est un peu personnel. Bah voilà, c'est <laughs> ah, ça le problème. Est-ce qu'on prend WhatsApp Est-ce qu'on prend Facebook Je ne sais pas, c'est comme vous voulez. Luciana qui nous dit Je préfère WhatsApp. Comment faire, Béatrice eh Ben voilà, c'est ça la question. Euh, Sundar, comment puis-je joindre le groupe Ah voilà, Béatrice, vous avez la responsabilité de nous expliquer. Comment rejoindre le groupe Cosmina qui dit, a désiré, la période communiste a été difficile pour la Romanie, j'étais un enfant, j'avais un refus chez mes grands-parents. Ben, C'est vrai qu'on se souvient quand même, on se souvient de cette période un peu trouble, et spécialement, ben, je pense, le... le, le, le Comment dire, le procès euh, euh, et les images choquent. Cosmina, les choses ont beaucoup changé en Roumanie depuis 1989 avec la chute du régime communiste. Vous, Slade, bonjour. Alors, Yasmine qui nous dit Oui, Yossi, merci, et vous Yossi qui dit J'ai regardé Bénur hier sur Canal Arte, c'était long. Oui, mais c'est très long 3 h cinq oui! Hein, heureusement, les sous-titres étaient très exacts. Oui. Et bien. ce type de film, c'est bien aussi. Euh, alors, si vous voulez le regarder en version originale, bien sûr, mais tous ces films-là, si vous n'êtes pas puriste, vous pouvez les regarder doublés en français et c'est très très efficace. Donc, vous avez une, une, vraiment beaucoup de possibilités après. Ule, uh, hello. I'm studying to studying French. My native language is Portuguese, but are there a lot of similar words in French? Well, yes, We 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 share quite many uh, common words when it comes um, for for the. I mean, with my experience, uh, my Portuguese students. I mean, they never really struggled with uh, with French. It was extremely extremely easy, and and I I would tend to think, strangely, by the way, I don't know why. But it, it might be even uh, easier for them than uh, Spanish-speaking persons. I don't, I don't really know why maybe I mean these are all the persons that I've been meeting, but uh, they were not, not struggling at all. We share a lot a lot of things uh, uh, in common because we well come from the same family language. So it's, uh, it's, it will be quite simple for you. You just really need to go really deep in the grammar first. D'accord ?« And after that, you will understand. » Voilà, c'était la petite période en anglais. Béatrice, sinon je ne sais pas comment faire. <laughs> Alors, Béatrice, elle a créé un groupe et elle ne sait pas comment faire. Voilà. <laughs> Alors, Yossi qui dit « Il n'y a pas de problème pour créer un groupe sur WhatsApp. Ben, » Très bien. « Échangez tout ce que vous pouvez. » Je regarde, je continue. Euh, Yessero qui dit « Je n'ai jamais regardé ce film. Est-il bien ?» Euh, Bénur, grand classique, hein. grand grand classique, Bénur. Alors bien sûr dimension religieuse, mais plutôt dimension épique. Victoria, je pas besoin, ah, j'ai besoin d'aider mon neveu à préparer les biscuits pour le Père Noël. Bon courage, Victoria. Il faut préparer les, les biscuits. Euh, Désiré qui dit euh, Cosmina, j'ai co... ah oui, j'ai quitté la Roumanie avant la chute du communisme et j'y ai fait mon école maternelle. Très bien. Yesero, quel type de biscuits <laughs> Tout le monde commence à échanger. Euh, Yossi qui nous dit que les sous-titres étaient ah donc c'était on parlait français et sous-titres en français, c'est probablement la, la meilleure solution. Allez, à vous la parole. Euh, Qu'est-ce qui vous fait le plus peur dans la vie Qu'est-ce qui vous fait le plus peur dans la vie S'il vous plaît, comme d'habitude, une petite minute et une petite réponse. Rachid qui attaque directement <laughs> avec le classique la mort. C'est difficile de faire mieux, effectivement. Victoria Jacques qui nous dit, quand les gens sortent de l'obscurité, mais qu'est-ce que ça veut dire Très bien, Yessero qui bave parce qu'il pense aux cookies que Victoria Jacques prépare avec... Euh, C'était son neveu, je crois. Bah écoutez, euh, il faudrait prendre des photos. <laughs> Après, je ne sais pas comment on pourrait les échanger. Pardon, euh, Béatrice la perte de mes chers, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Lisbeth qui dit euh, le vaccin... Du coronavirus, il vous fait peur Cheryline, la maladie me fait le plus peur. Yulia qui dit, j'ai peur d'être enterrée vivante. Mon Dieu mais Il y avait, il y avait, je crois, est-ce que c'était dans un, dans un James Bond hein Dans un James Bond où James Bond est enterré vivant, mais il ressort, bien sûr, il ressort. Euh, Victoria Jacques ah d'accord, hein? I meant in a film. <laughs> ah non, ah non, ah non, c'était pas un film. Mais si vous voulez, si vous voulez, ça peut être un film, Victoria Jacques. Victoria Possé, ce qui me fait le plus peur dans la vie, c'est qu'un de mes enfants tombe malade. Ah bah oui, ça c'est vrai qu'on n'a pas envie. Et quand les enfants tombent malades, on est vraiment stressé. Euh... Stardust, tomber malade à nouveau, oui, ça me fait très peur. Ta vie peut changer complètement d'une seconde à l'autre. Ben oui, oui, oui. c'est pour ça que là, c'est une période. Il faut vraiment, vraiment se protéger. C'est la seule possibilité. Hein. Béatrice Stan. Euh... ah donc Désiré, je suis née en Roumanie. Très bien. Euh, Victoria Jacquino met des, <laughs> des cookies avec des pépites de chocolat. Mmh. Mais alors, Victoria Jacques, vous ne faites pas des, 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 des biscuits en pain d'épices, non Avec les formes, vous savez. Moi, j'aime bien faire ça. Ou la, ou la maison aussi, avec la décoration. Euh, alors, Mercurialman qui nous dit l'échec. L'échec fait peur à Mercurialman. Ben d'accord. Il y aussi prendre la vaccination contre le Covid-19. Je le fais ce vendredi. Ouh alors là, bravo Yossi, vous êtes un homme courageux, c'est bien. Euh, si je ne suis pas ici après vendredi, vous saurez pourquoi. Mais non Yossi, non Il faut rester optimiste. Ah non, Victoria Jacques qui va prendre des photos des cookies. Avec la fonction, la fonction macro. Macro, comme ça on, on voit bien les pépites de chocolat. C'est incroyable, euh, Sundar qui nous dit que ce qui lui fait peur, eh bien c'est l'accident, c'est vrai. Très bien, euh, Julia qui nous dit Kill Bill a été enterré vivant. <laughs> très bien. Ah les références cinématographiques, hein, incroyable aussi. Euh, très bien, c'était Tarantino, oui, c'était pas mal, mais peut-être un petit peu trop de Kill Bill, non Un seul serait été bien, je ne sais pas. Iris, j'ai peur de conduire. Ah oui, ça peut être stressant hein, de conduire. Luciana, moribet maintenant, j'ai peur de ce nouveau vaccin. Ah oui, mais non, ça c'est Yossi. Yossi, il faut être optimiste, hein, comme dit Béatrice tout va bien. Cosmina qui nous dit, ce qui me fait le plus peur, c'est l'hypothèse de ne pas pouvoir dire ce que je pense. Ah belle la liberté. C'est fondamental. La liberté, c'est fondamental. C'est ce que j'ai expliqué à une personne il n'y a pas longtemps. Euh, personnellement, je suis né comme ça, avec cette possibilité de dire tout ce que je pense, et, et c'est pas possible de, euh, voilà, de m'empêcher. <laughs> Heureusement ou malheureusement, ça, le résultat, c'est une autre histoire. Des Sarlika, j'ai peur de mourir et ma famille n'est pas encore contente avec moi. Ah bah oui, non. mais... <laughs> Tout va bien, des sarlikas, on, on ne va pas mourir, pas tout de suite. Vous, cela, perdre mes proches, mes proches et moi, de devenir malade, c'est vrai. Victoria Jacques, hmm, la mort me fait vraiment peur, mais aussi mes rêves, que mes rêves ne se réalisent pas. Et on sait bien que les rêves de Victoria Jacques, c'est gagner au loto. <laughs> yes, ero. La chose qui me fait peur, c'est l'échec. Oui, ça, c'est vrai que ça peut faire peur aux gens. Cassandra, euh, j'ai le plus peur de la solitude. C'est vrai que la solitude, c'est quelque chose de spécial quand même. bournville Lover, ma famille tombe malade ou les araignées. Oui, les araignées, ça, c'est quelque chose. <laughs> Alors, petite ou grosse, <laughs> ça, c'est une autre histoire. Catégique, rien. Ne me fait peur dans ma vie. Katégyx, c'est quelqu'un de très 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 courageux, hein, qui, euh, Bickert, « Qui, je pense que j'ai peur d'être là seul et d'être loin de mes fils. Eh ben oui, ça c'est pas c'est pas très 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 sympathique. Ensuite, je regarde euh, Yasmine. La vie sans sens me fait le plus peur. C'est vrai, hein, <laughs> c'est vrai. Si on n'a pas de sens dans la vie, ça vaut pas le coup. Alors, je vais être obligé de scanner rapidement puisque ça c'était la phonétique qu'on devait faire pour Zoom, mais bien sûr, on ne peut pas la faire. Donc vous voyez, euh, vous voyez que je suis obligé de m'adapter <laughs> et que j'avais fait un gros travail de préparation pour ce magnifique cours que nous aurions pu avoir ensemble sur zoom mais c'est pas grave allez on continue n'oubliez pas de cliquer ce serait très très gentil à vous la parole encore une fois est ce que vous vous entendez bien avec vos frères et sœurs et est ce facile est ce que vous vous entendez bien avec vos frères et sœurs et est ce que c'est facile allez y Yasmine, elle attaque direct, directement. Yasmine dit non, 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 c'est très difficile. Alors Victoria Jacques, hein, parfois, mais ce n'est pas facile. Je suis la plus jeune. Ah ben oui, si vous êtes la plus jeune, c'est sûr que c'est pas facile. Cosmina Belouf, euh, avez-vous la possibilité de choisir le fabricant du vaccin Ah d'accord. C'est pour Yossi, c'est pour Yossi. Alors, Yesero qui nous dit, quand j'étais jeune, euh, ça n'était pas facile, mais maintenant, on s'entend bien tout le temps. Ben, ça, c'est formidable, Yesero. Luciana qui nous dit, mais le grand problème, c'est la belle sœur. Alors Yulia qui ne dit je ne m'entends pas bien avec ma soeur, on ne communique jamais, mais ça ne me dérange pas. <music> Béatrice Anne pas vraiment, car nous sommes très très différente. J'étais toujours un enfant obéissant tandis qu'elle était rebelle. » Soudanar qui dit « Ça dépend de la situation et de la question. C'est vrai qu'il y a des sujets. <laughs> c'est préférable de ne pas discuter de ces sujets avec la famille. Victoria Possé, « Je n'ai qu'un seul frère et nous n'avons jamais eu de problème. » Ça, c'est formidable. Stardust, « Non « Car c'est très difficile avec mes sœurs, mais mon frère est toujours là pour moi. »« Olga, oui, je vis avec mon frère, mais seul. »« Bourneville Lover, la plupart du temps, moi et ma sœur, nous nous entendons très bien, même si nous nous disputons. »« Attendez. Euh, »« Et nous l'oublions très vite après et continuons comme d'habitude. <laughs> » Ah, donc on se fâche, mais on oublie, on oublie facilement. Ben, ça, c'est bien, finalement. Iris, oui, c'est très facile pour moi. Je suis ou j'ai vraiment de la chance. Cosmina qui dit en ce moment... Ah oui, d'accord. Non, c'était Yossi qui dit que ça va être du Psa Pfizer, d'accord. D'accord, oui, parce qu'il y avait l'autre aussi. Non, c'était quoi, Moderna non, comment c'était le nom de, de l'autre. Euh, mais qui est-ce qu'il a été? Euh, est-ce qu'il a été accrédité? mercurialman, pourquoi le verbe entendre? ce n'est pas le verbe entendre, mercurialman, c'est le verbe s'entendre. et s'entendre, c'est euh, tout simplement le verbe qu'on utilise pour dire que nous avons des bonnes relations, nous nous entendons bien. c'est une expression. Cheryline, oui c'est facile pour moi et ma sœur. Nous avons des personnalités similaires. Nous trouvons ensemble des idées étonnantes et terminons souvent nos phrases. <laughs> ça, ça doit être intéressant. Jamais connu ça. Donc vous commencez la phrase, mais quand est-ce que vous vous arrêtez, Cheryline Est-ce que c'est vous qui mettez le sujet, et le verbe et votre sœur met le complément Ça, ça serait intéressant. Est-ce qu'on s'arrête au sujet le verbe, et après vous mettez le complément, ça ce serait intéressant de savoir. Alokaïsa, beaucoup battu avant de devenir adulte, mais après notre mariage, nous sommes devenus les meilleurs amis. Eh bien ça c'est formidable. Euh, Alokaïsa, toujours pas dit, vous n'avez toujours pas dit dans quelle partie, hein, euh, je ne veux pas de ville, mais dans quelle partie du sud vous allez partir, vous allez vous, a, vous installer. Yulia, ah c'est moi, je suis une rebelle, et ma sœur est très obéissante. Euh, très bien, je regarde les autres. Cosmina qui répond, <laughs> une, discu de, une discussion de vaccin là. <laughs> Beekert, oui, pour moi c'est facile. J'ai deux frères et deux sœurs et je vis loin. On ne se voit pas toujours et ça c'est peut-être la solution finalement <laughs> des Sarlika Je m'entends ah, bien avec ma famille mais pas avec mes frères. Eh bien voilà. Euh, vous, Slat, j'ai des frères jumeaux. Oui, je m'entends bien avec eux. Euh, Maudita qui nous dit « Oui, on s'entend bien. » Olga, très bien, qui demande aux gens de cliquer. Cosmina qui dit « J'ai un seul frère. » En ce qui concerne les problèmes de famille, nous nous entendons bien. Très bien. Alors, on va comment continuer Alors, regardez, ah ben, c'était la phonétique. La phonétique continuait. Nous aurions fait les « e », nous aurions fait les e, « euh Nous aurions fait les e, « yin nous aurions fait les « i ». Nous aurions fait les EI, nous aurions fait les ouin », nous aurions fait les i, le gn 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 qui est très très difficile, le i qui est très intéressant, oups, et on continue, n'oubliez pas de cliquer sur like si vous arrivez, c'est un cours un petit peu <laughs> qui n'est pas représentatif de la préparation, mais bon, <laughs> habituel. Allez, à vous la parole. Euh, vous vouliez faire quoi quand vous étiez petit ou petite? Ice Cube qui nous répond J'ai un frère, mais très loin de moi. Euh, et il y a plus d'un an que je ne le vois pas. Je téléphone parfois, mais notre vie est séparée depuis l'université. Eh ben oui, c'est comme ça souvent. On se sépare et peut-être qu'on se retrouve ou pas. Allez, vous vouliez faire quoi quand vous étiez petit ou petite? Victoria qui nous dit Je voulais être chef et étudier en France et dans toute l'Europe. Très bien, mais donc vous faites de la de la cuisine, mais c'est possible, c'est possible, Victoria, de faire de la cuisine et de de, 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 de travailler euh, dans la dans le monde de la cuisine. Rachid apprendre le français. Yossi privé. <laughs> hein, vous vouliez faire quoi, Yossi Qu'est-ce que ça veut dire Je ne comprends pas, monsieur, ce que vous voulez dire. Alocaïsa, mon endroit préféré, est Bordeaux. Je ne sais pas si ça dans le sud ou dans le centre. <laughs> à Bordeaux, Bordeaux, oui. Alors non, quand je pensais dans le sud, souvent quand on parle du sud, en général, on pense plutôt euh, euh, ben, la, la côte qui qui est à côté de la Méditerranée. Mais mais, mais Bordeaux, clairement, oui, c'est dans le sud. Moi, je suis originaire de, de, des pays de la Loire et tout ce qui est sous la Loire, c'est le Sud. Voilà, donc c'est normal. Euh, alors attendez, je regarde, je regarde. Yessero qui nous dit, quand j'étais petit, je voulais être un pompier. Ça, c'est une, une, belle, une belle profession. Euh, Yasmine qui dit, je veux manger tous les chocolats du magasin. <laughs> Mais ce n'est pas une profession, une profession, Yasmine. <laughs> Et peut être go goûteuse, vous savez quelqu'un qui goûte ça ce serait peut-être une bonne profession finalement hein, on vous apporte les choses et puis vous vous goûtez. Euh, Chris il y a des gens qui font ça pour le chocolat en tout cas hein, mais alors Chrismo euh, visitez le Louvre. D'accord, très bien. Vous vouliez visiter le Louvre. Des Sarlika. Quand j'étais petit, je voulais être professeur. Très bien. Euh, alors attendez, je regarde Julia qui dit. Euh, Julia, qu'est-ce que vous dites Je vous ai perdu. Je voulais trouver l'homme qui va me comprendre et me protéger l'amour de ma vie. Eh oui Yesero qui discute avec Yossi. Yossi qui dit, quand j'étais petit, je voulais être le médecin parce que mon père travaillait dans l'hôpital. Très bien Bombi Lover qui nous dit, j'ai voulu concevoir des robes de mariage. Waouh Ça c'est intéressant parce que finalement... Hein, il y a une sorte de, 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 de design qui est très spécifique pour ce type de robe. C'est vrai que ça pourrait être pas mal. Euh, alors attendez, je regarde, je regarde. Euh, Lisbeth, je voulais être. Chanteuse, mais c'est toujours possible, Lisbeth. C'est toujours possible. Vous, vous faites votre chanson, comme comme ma fille. Vous faites des chansons, vous les postez ou vous les gardez pour vous. Iris, je voulais être agent de bord, ça c'est sympathique aussi. Euh, Julia qui dit Bordeaux, c'est au bord de l'eau. Je dirais plus précisément, Julia, que Bordeaux, c'est au bord du vin surtout. Alors, Bickert, quand j'étais petite, je voulais être une artiste, une chanteuse ou un actrice de doublage à la radio et à la télé. Yossi, d'accord, j'ai compris, j'ai compris Yossi. Euh, Bikert, Bikert voulait être chanteuse. Ice Cube, ce qui dit jouer, imaginer, chanter, danser, etc. Etc. Eh oui, c'est pour ça que vous êtes une grande spécialiste du. du on avait parlé du karaoke! <laughs> Hein On avait parlé du karaoké. Vous combinez tout ça. Béatrice Tan, je voulais devenir musicienne, une star, une personne connue et appréciée, mais j'ai donc j'ai étudié la médecine, j'ai changé mes préférences au fil du temps. Bah oui, oui. La médecine, c'est peut-être plus utile que les, que les stars, je, je ne sais pas. Donc si vous exercez dans ce domaine-là, vous avez probablement une utilité plus grande pour la société et pour nous. Euh, Pravalika, je voulais apprendre la danse, mais ce n'est pas possible pour moi. Euh, Olga Ruiz, je voulais être art artiste, aviateur et toutes ces belles professions. Euh, Désiré, quand j'étais petit, je voulais être diplomate. Cosmina, j'avais plusieurs options, je voulais être princesse. Alors, effectivement, princesse après reine, bien sûr. <laughs> et après, je voulais être écrivaine et au lycée biochimiste. Et vous êtes devenu biochimiste, d'accord euh, ben, Reine, c'est encore possible, c'est encore possible. Techniquement, il faut juste trouver un roi, euh, et, et peut-être même un prince, chercher. A Yasmine, oui, je suis désolée, je voulais être connaisseur de nourriture, mais ben, c'est bien il n'est jamais trop tard, jamais trop tard pour bien faire. Vous, Slat, oui, je voulais obtenir le prix Nobel comme Madame Curie et servir l'humanité. Oh, ben ça, c'est quand même, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Allez, merci beaucoup en tout cas. Alors, encore une fois, voici la phonétique que nous aurions dû faire ensemble. Regardez, le son « cr » avec toutes ces belles choses. Le son « pr » qui n'est pas toujours facile. Le son « br » avec quelques beaux mots. Le son « un ». Après ça, le son « une » pour faire la distinction. Le son « dr » qui est beaucoup plus rond. « de, de, de dr ». Le son « fre qui, en général, n'est pas problématique. Le son « gr ». Le son tre, le son vre qui est un petit peu moins, moins fréquent. Mais bon, on aura l'occasion de les faire. Mais comme je vous ai expliqué, ce sera probablement des cours uniquement sur Zoom et pas Zoom et YouTube. Ça évitera les problèmes techniques. N'oubliez pas de cliquer et voici la question qui suit. Aimeriez-vous pouvoir voir le futur, l'avenir et. Pourquoi Allez-y J'aime bien la réponse de marie euh, qui nous dit quand j'étais petite, je voulais être comptable. <laughs> mais, ce qui est très mais pourquoi, pourquoi est-ce que... Alors j'imagine qu'il y a peut-être une dimension humoristique, mais est-ce que vous aimez compter ou pas Ça, ce serait intéressant. Alors Victoria commence à nous répondre. Victoria Jacques nous dit, euh, est-ce que vous voudriez pouvoir voir l'avenir, le futur Oui, j'ai besoin de savoir ce qui se passe dans ma vie. Je suis fatigué de deviner. Alors, vous pouvez aller voir Madame Miroska avec sa boule de cristal. Ouh, je vois, je vois, peut-être. Ou alors avec les cartes. Vous savez, il y a beaucoup de possibilités pour lire l'avenir. Mais je ne sais pas si ça marche. Des Sarlicas. Non, parce que je veux vivre, je veux. Alors, attendez. Je veux vivre et savoir que quelque chose de mauvais va arriver. Ah, vous ne voulez pas, vous ne voulez pas savoir si quelque chose de mauvais va arriver Non, ça, ça se comprend. Rosefleur, oui, je veux regarder ou savoir si je peux me marier ou non. Euh, Bonville Lover, seulement si c'était possible de le changer, <laughs> si je n'aime pas ce que j'ai vu. <laughs> Bonville Lover, alors, veut pouvoir voir l'avenir avec une option <laughs> de changer vous m'avez posé une question s'il y avait des films dans les années euh, 80. Ouais, euh, il, il y avait un, un concept intéressant de deux de, de films qui étaient sortis en même temps et qui s'appellent smoking et no smoking. ce sont des, des, des films français. et l'idée très, très intéressante, c'est que, en fait, il y a une scène. la scène de départ. et dans cette scène de départ, eh bien, l'acteur ou l'actrice, j'ai oublié commence à fumer ou ne commence pas à fumer. Et les implications vont être complètement différentes dans l'histoire et entre les personnes. Donc le premier film, bien sûr, s'appelle Smoking. Donc elle décide de prendre la cigarette. Et comme elle décide de prendre la cigarette, toutes les, toutes les choses qui se passent vont être d'une certaine manière. Et dans le deuxième film, elle décide de ne pas prendre la cigarette. Et bien sûr, l'histoire part dans une autre direction. Voilà, ça, ça peut être intéressant pour euh, ces, <laughs> cette idée de changer l'avenir. <laughs> c'est peut-être ça, peut-être que c'est possible. Euh, alors, attendez, je regarde maintenant. Yulia qui nous dit euh, Non, je n'ai pas envie de voir l'avenir. Plutôt le passé avec tous les dinosaures. <laughs> Quel était votre dinosaure préféré Personnellement, c'était le brontosaure. Le brontosaure qui était, si ma mémoire est bonne, un herbivore et très très massif. Yasmine, non, car cela enlèvera l'excitation de la vie. Luciana qui nous dit, je ne sais pas, cela augmenterait la responsabilité possible. Euh, Victoria qui dit, ouais, avec Madame Miroska, <laughs> La boule de cristal. Oh, je vois, je vois. Allo, Kaysa. Si je déménage dans un nouvel endroit, peut-être que je vais avoir un bébé pour faire ma famille ici. C'est le souhait de mon futur proche. Oh, ben, et puis à Bordeaux, euh, oui. À Bordeaux, allo, Kaysa. On ne met pas de vin rouge dans le biberon des enfants. Hein. Non, non, non. Béatristane, si je n'avais pas la possibilité de changer l'avenir après, non. <laughs> Yesero, oui, j'aimerais bien voir le futur pour éviter les catastrophes et connaître le marché boursier pour devenir riche. <laughs> et oui, il y avait aussi ce film, un Retour vers le futur, le deuxième, je crois où il va dans le futur, bien sûr, et il peut avoir un magazine avec eh bien, tous les matchs euh, qui, ont, qui ont été joués et tous les résultats, et il revient et il peut devenir riche en faisant des paris. Euh, Lisbeth qui nous dit oui afin d'éviter les catastrophes. Stardust qui dit oui, je voudrais voir l'avenir et savoir, attendez, je vous ai perdu Stardust, voilà, et, et savoir si les problèmes de ce monde peuvent un jour être résolus et je voudrais voir quel changement. Vous êtes optimiste Stardust et c'est bien, c'est une qualité, <laughs> Yossi, euh, mais vous ne l'aimeriez pas maintenant qu'il faut, il faut bien voir le présent d'accord ice cubes oui je peux gagner au loto si je veux voir le futur c'est vrai catégique oui je veux voir un nouveau monde c'est vrai qu'on voudrait le voir ce nouveau monde mercurialman non L'avenir pourrait être, être désastreux, c'est possible. Victoria Possé, oui, mais j'aimerais, alors j'aimerais voir l'avenir pour savoir ce qui va se passer avec le virus. Sundar, mon rêve d'aller aux États-Unis et de m'installer là-bas et d'être indépendant. Beaucoup de mes amis sont à l'étranger. Très bien. Yulia, cool, je vais regarder Smoking No Smoking. Il est, il est pas mal, mais fi film des années 80, français. Donc très très spécial quand même, hein. très 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 marqué. Cheryline, ça dépend. Si je pouvais voir que je surmonterais toutes les difficultés, oui, évidemment. Si c'était déprimant, <rire> non. <rire> Cela me rendrait anxieuse. Mais c'est ça l'avantage, c'est qu'on peut changer. Rien n'est défini. Hein. Alors, euh, Cosmina qui nous dit Je voudrais avoir un globe de verre, une boule de cristal, et chaque fois que je pense à une personne, hop, que je puisse la voir dans mon globe. <laughs> Alors, je crois que cet objet pareil euh, aurait pu intéresser pour les services de renseignement probablement. Et probablement qu'ils en ont des très grandes, des grosses boules de cristal. Alors encore une fois, la phonétique que nous aurions, nous aurions pu faire ensemble, le cl, qui est pas mal, pas très difficile, le fl, le gl, qui est intéressant, le ple qu'on on aurait pu faire et regardez à vous la parole et ce sera la dernière question pour aujourd'hui pour ce, ce cours qui était un petit peu un petit peu spécial mais c'est pas grave allez euh, où est-ce que vous vous voyez d'ici cinq ans dans cinq ans à votre avis où serez-vous où serez-vous que ferez-vous imaginez imaginez Alors, il aussi qui pose la question. On s'est rendormi avec ou sans s. Alors, ça, c'est une, une question que qu'en qu général on se pose, mais finalement, l'idée, l'idée qui est prédominante, après vous choisissez. L'idée qui est prédominante, c'est que finalement, c'est en fonction du sens et non pas en fonction de la grammaire. C'est-à-dire que le on Bien sûr, c'est la troisième personne du singulier, mais qu'en général, alors vous devriez logiquement l'écrire avec le S. Si vous voulez vraiment indiquer que le on est utilisé à la place de nous. Parce que le on peut être utilisé aussi d'une façon neutre. Donc il faut vraiment faire attention, c'est un sujet qui est assez, assez large, dont on pourrait parler pendant longtemps, mais si le on, c'est plutôt pour remplacer du nous, mettez le S, et de toute façon, vous n'allez pas le prononcer. Alors, 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 euh, Iris qui dit non, 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 je ne sais pas. Ice cubes qui dit, Mais je ne sais pas encore, mais quelque part dans le monde, bien sûr, pas sur la planète Mars. Et la planète Mars, on ne peut pas bien respirer. Ça n'est pas un endroit très agréable et confortable pour euh, euh, vivre, probablement. Donc vous avez raison, ice cubes. Euh, Sundar qui nous dit quelque part aux États-Unis. Ah d'accord très bien faites attention <laughs> Yossi merci beaucoup je vous en prie aussi Victoria Jacques je n'imagine d'en vivre dans un autre pays peut-être travailler dans un endroit qui a plusieurs bureaux certains aux États-Unis pour que je puisse travailler dans les deux bureaux quand je veux bah ben oui c'est possible hein. Julia aucune idée euh, d'accord Très bien. Ah, Il y a même un doute pour savoir où elle sera dans cinq jours. Alors, cinq ans. Cinq ans. Mercure quitter la Grande-Bretagne et vivre en France. Euh, oui, mais là, c'est difficile en ce moment. Hein. Depuis, alors depuis le, le, la, mise en, la mise en œuvre du Brexit, c'est compliqué avec les, les, avec les passeports et, 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 et les visas, etc. Et puis avec cette histoire de deuxième souche de, de, de virus, c'est assez bizarre. Stardust, je vis au jour le jour, donc je ne peux pas en dire beaucoup. Mais mon plus gros truc <laughs> est de vivre avec mon fiancé, mais bien sûr, dans un endroit chaud et ensoleillé. C'est normal, Stardust. C'est le minimum qu'on peut demander. Allo qui nous dit à Bordeaux, avec un nouveau bébé. Ça, c'est chouette. Comme tu le dis, avec du vin rosé, du cannelé. Alors, Allo vin rosé avec modération et pas pour les bébés. Béatrice euh, dans 5 ans, je serai en Angleterre ou en France. Ben, ça, c'est bien. Attendez, je vous ai perdu. J'espère pour que je finisse ma, ma préparation professionnelle. Ben oui. Écoutez, Lisbeth, je ne sais pas, je ne sais pas euh, ce que je vis ma vie à chaque instant. Très bien. Yasmine, je me vois comme le Père Noël dans les cinq prochaines années si je continue mes habitudes alimentaires. <laughs> Yasmine, c'est une période spéciale. C'est une période spéciale, on ne mange pas normalement, on ne vit pas normalement, donc on prend des kilos. On prend des kilos pendant cette période-là, après ça, on va les perdre, on va les perdre ces kilos, ne vous inquiétez pas, c'est possible. Olga Ruiz, voyager en France, très bien. Des Sarlikas, si je continue à apprendre le français et que je n'arrête pas, je vois que je vais devenir quelque part mieux, bah, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Luciana, je voudrais me voir en voyage en Europe et dans d'autres endroits. Eh ben écoutez, ce sera possible. Victoria Possé, euh, j'aimerais me voir enfin en France. Eh bien oui, ça c'est tout à fait possible. Installez-vous. Victoria Possé, la liberté entre les pays de l'Union européenne existe. C'est possible assez facilement de s'installer dans un autre pays de l'Union. Je vous le dis, je l'ai fait, ça, ça n'est pas un problème. Et même dans des pays qui ne sont pas dans l'Union, à côté, c'est possible. Yossi, je voudrais acheter une maison en Europe pour passer là mes vacances d'été. Cosmina, qui nous dit, c'est difficile à deviner. Je peux seulement dire ce que je désire, mais pour faire rire, le Dieu rire. <rire> Il suffit de lui dire tes plans <laughs> Eh ben il faut rien dire alors. Vous avez raison. Hop Tout à l'intérieur. On ne dit rien des salicas quelque part. Très bien. ville Lover, je suis capable de parler français. Oui, vous serez capable. Yesero, on ne sait jamais où la vie nous mènera. C'est un grand philosophe Yesero. Becker, je ne sais pas dans 5 ans, je ne peux pas voir mon avenir maintenant, mais je voudrais voyager en Europe. Alors voilà, c'était euh, un cours un petit peu spécial, c'était un petit peu le bazar, mais je trouve que c'était très agréable. On a pu discuter, on a pu échanger. Alors, moralité, encore une fois, Zoom et YouTube en même temps, non. Je pense que ce sera toujours, toujours compliqué et assez stressant. Zoom d'un côté, YouTube de l'autre, pas de problème, je pense que ça c'est toujours possible. Et ça, on pourra le faire. En tout cas, pour demain et pour euh, mercredi, je pense qu'on va juste faire des cours traditionnels, comme on les a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire euh, euh, sur YouTube. Je vais programmer les streams, comme ça ce sera beaucoup plus, euh, beaucoup plus simple pour tout le monde. D'accord Après c'est Noël, si vous voulez, euh, après Noël, peut-être entre Noël et la nouvelle année on pourra faire quelques petites choses. Merci beaucoup en tout cas. Euh, je vais... Euh, alors, Victoria Jacques, <laughs> les cookies, clic, clic, la photo, d'accord euh, On a envie de voir. Ça aussi, il faut qu'on trouve une solution pour, euh, pour pouvoir visualiser si vous mettez des photos. Donc, je vais, je vais réfléchir à des possibilités. Euh, merci beaucoup. Je mets la chanson qui n'a pas de nom euh, mais qui est très jolie parce que c'est la chanson de ma fille. Merci beaucoup et à demain. Au revoir. ilma ja ne tahdo palata. Suurin ongelma on, ettei ole ongelmaa. Tarpeeksi soha, joka allen sinut musertaa. Me sen reunan ja asetut roikkumaan niin Ay, no me da de la vida, o me aquí